Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Prey. Alors nous pourrions prendre les munitions. Normalement, ayant tué le gros truc, il y aura plus de... Nous sommes donc, oui voilà, donc, je vois l'explication quand même. Nous sommes dans le congélo du cuistot qui nous a trahis proprement, malheureusement. Et donc, il veut nous faire tuer par les pantins, ce qu'il appelle les pantins. Ok, on y va. Abigail Foy, la pauvre. Elle méritait pas ça. Alors pour ça il me faudrait force physique 2. Je suis désolé. Oh dis pas je t'aime. Bouh. Je vais en mettre une ici aussi. J'aurais dû en faire d'autres. Ok cool. Merci. C'est par principe que je l'ai faite la deuxième. On y va. Oh. Et il est parti où le cuistot? Vous n'auriez pas vu Queen Tempervis par hasard? Ses repas sont prêts. Dommage, il a disparu. Dommage, dommage. Bon, on va quand même se faire quelques charges recyclantes. Voilà. C'est toujours utile. Et parfait. Crac. Bon bah allons-y. Hein. Piège. Voilà, merci. Donc le mec a piégé toute la zone. Attention parce que c'est une saloperie. Hein. Maintenant faut le... Faut le rect. Il faut qu'on réussisse à le rect. Au passage, dans la map. Tu m'as dit des ennemis? Tu m'as dit des ennemis juste à côté de moi, c'est étrange. Speed de la direction. Mais pour ça, il faut que je monte où? J'ai pas le... Ou alors c'est là? Arboretum. Conciergerie. Bon, au revoir. Hein. On va voir. Ah 3-6... T'es une saloperie. Vous êtes toujours en vie. T'es une saloperie. Bien. En Ukraine, on apprend à faire des mines à partir de débris Transtar. Je voulais partager ça avec vous. T'es pas sérieux là? Terminé. Nouvelle activité disponible. Il va me l'envoyer sur la gueule. Combien j'ai de neuromodes? Parce que ce monsieur va souffrir. Je sais plus à quoi ils sont sensibles, tiens d'ailleurs ceux-là.
Électricité, explosion, psychique, UM. Ouh. Cool. Cool, 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 cool. Est-ce qu'il y a un pouvoir qui fait des explosions? Ça peut être sympa, j'aime bien les explosions, moi. Énergie! Créer deux pièges plasma incandescent qui impliquent. Ouais, c'est des dégâts de flamme, ça. Super thermique. Dégâts de feu. Oh, je peux choisir. 25 de dégâts, 75 de dégâts. Allez! Il va être temps de brûler un peu nos ennemis. Oh, c'est chez moi! C'est chez moi! Ça y est. Je crois qu'il l'a libéré. J'ai pas ce qu'il faut. Cool. C'était le vrai mot de passe. Sarah et Lazare, chef de la sécurité, ne compte pas parmi tes amis. C'est quelque chose à propos des Typhoons. Rien à propos de tes tests, seulement des soupçons. Digne de confiance, ne se fie pas à Alex. Ou à toi, pas encore. Paraplexie, trouble neurologique, empêche l'utilisation de neuromodes. Nécessite un traitement médicamenteux agressif pour empêcher la dégénérescence. Ça rend les candidats inéligibles à une affectation sur Talos One. Mikaela Eliushin, ingénieur en chef. Vous vous évitez. Existence d'une brève relation. Tu y as mis fin quand les tests ont commencé. Elle pense que c'est parce que tu as découvert qu'elle souffre de paraplexie. Pratique, mais faux. Couper les ponts t'a semblé plus sûr. Moins douloureux, étant donné ta perte de mémoire future. D'accord. Dayo Igwe, embauché par Alex. Sa position mal vue sur les phénomènes psychiques a permis d'économiser sur son recrutement. Parmi les meilleurs scientifiques de la station. Introverti. Est au courant pour les tests. Fidèle à Alex. Pense que ton frère et les Typhoons peuvent sauver sa carrière. Putain, c'est de la menthe, ça me fait du bien à la gorge, hein, mais alors c'est hardcore. Daniel, chef du département informatique, ne t'apprécie pas. Apprécie Alex encore moins. Dois découvrir pourquoi. Note à moi-même. Recherche. Le chef Mitchell et le piratage d'opérateurs émotifs. Calvino, collègue, ne remarquera rien d'anormal. Mémoire photographique. Obsédé du travail. Dossier médical vierge. Aucune absence. Ok. Moi, je pensais pouvoir ouvrir un truc ici, mais bon, apparemment, ça veut pas. Ok. Je peux prendre une douche? Toujours pas? Ah! Ah, ça doit faire du bien depuis le temps. Bonheur! Ok, c'est pas la folie hein, en termes de choses dans ma maison. Bon, un coup au passage, hop, voilà, bon, on est tout frais. Alex est là. Guest suit. J'ai eu. Présence d'ennemis dans la pièce d'à côté. Présence d'ennemis dans la pièce d'à côté. Ok, cool. Dossier des ventes, ça je prends. Il y a une plus belle douche. C'est quoi ça? Il manque une partie de ton lavabo, bonhomme, hein. Je veux pas dire, mais... D'ailleurs, c'est... Non, c'est pas il manque une partie de lavabo, c'est cassé. C'est le jeu qui est cassé. C'est tout plat. Je suis con, moi. Ok, bon... Et c'est tout? J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Allons-y.
dégagement rassurant. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Bon bah tant pis hein. Tant pis, donc apparemment j'ai rien à faire ici, n'est-ce pas? Je suis censé avoir la clé des suites de la direction, mais je l'ai pas. Parce que c'est la suite d'Alex, sans doute. Bon, c'est pas grave. On redescend. Crac. Alors normalement, il n'y a plus aucune entité ennemie. What the fuck? Bon, bah, on va utiliser une charge recyclante, c'est pas grave. J'y étais tout à l'heure, on est d'accord. C'est là où il y avait le. Il n'y avait pas ça quand j'y suis. Ah oui, d'accord. C'est sans doute celui qui a tout déplacé tout à l'heure. Ok, excuse-moi. Autant pour moi, excusez-moi. J'ai fouillé cette zone? Je ne sais plus. Feuille de personnage. Je l'avais déjà vu. Non, bon bah c'est bon alors. On y va, hein. On y va. Crac, je suis un peu déçu de la zone là, mais bon, pourquoi pas, hein. Je vérifie quand même. Hublot de la salle de. Ah! Attendez! J'ai oublié quelque chose apparemment. What? Morgane? Quoi? Si vous êtes là, ces cabines s'en est pas sorties, n'est-ce pas? Je peux plus rien faire pour vous. Mais écoutez-moi, faites attention. Quelqu'un se fait passer pour le cuistot dans les quartiers de l'équipage. Son bracelet électronique vient du département psychotronique. Mais l'identifiant n'a aucun sens. Je crois que c'est lui qui a tué Abby. Oui, oui. Si vous le pouvez, faites en sorte qu'il ne quitte pas la station. Je vais voir ce que je peux encore faire pour vous aider d'ici. Aussi longtemps que je pourrai. Au revoir, Morgane. D'accord. Bon, bah... Merci madame. Il y avait une clé à griffe que je n'avais pas vue. Ouais, bon, c'est parti, allons-y hein. Ok, normalement j'ai plus d'objectif dans la zone. Ah bah attention, de toute façon je comptais bien le tuer hein. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé, par contre, on est lundi. Si je peux pas tourner dès le lundi, c'est pas bon signe. Enfin bon, on verra bien. Bon, ça a l'air d'être débloqué quand même, comme mission. On a l'air d'être complètement débloqué, ce qui est une bonne chose. J'avais vraiment peur de devoir m'arrêter là, honnêtement. Hop, allez, on y va. Wow! Attention, combinaison endommagée.
Hop, un instant. Merde. Ça y est, je les ai eus. Ok, c'est bon. On se calme. J'ai eu tout le monde. Bon. Toujours pas la clé de ce truc là. Bon après-midi, Talos. La sécurité à bord de Talos One est l'affaire de tous. Le mec a pigé toute la station. Envoyez vos demandes d'aide ou vos questions relatives à la sécurité à transtar.talos. Cool. Sensible à quoi? IEM. Oh! Nouvelle aptitude. Merde, onde zéro. Il y a un tisseur dans la région. Cool. C'est un lieu romantique, je présume, pour regarder l'espace. C'est vrai que la vision est superbe. Il y a un tisseur dans le coin. Merde. C'est rapide, hein. Ils sont vachement rapides. Nouvelle aptitude psy disponible. Bah alors. Hop, c'est bon. Ça m'emmerde. Tristesse. Je crois qu'il m'en reste un point en plus à avoir sur eux. Oh là. C'est un coup à se coincer définitivement. Forcément. Hop.
Scan terminé. Ok. Nouvelle aptitude psy disponible. Bienvenue. Puis-je vous aider? Je crois pas qu'il m'ait vu. Là, il m'a vu. Là, il m'a vu. Ouf, ça recharge dur, hein, dis donc. Qu'est-ce que je prends? Ça. Ça fait mal, hein. Ça fait extrêmement mal et j'ai trouvé hyper solide. Ok. Je peux suivre à la trace, plus ou moins, d'où vient notre ennemi. Ok, donc on aura besoin de ça. C'est pas le plus simple. Oh. Allez. Ah merde. Oh la vache, c'est dur. C'est vachement dur. F, c'est bon. Et donc là, je peux la réparer et la mettre d'un grand secours. Bonjour madame. Oh, j'avais pas vu ça, merci. Faut que j'aille jusque là, il est dur aussi celui-là. J'ai vraiment pas de bol, hein. Oh putain. C'est bon. Ouais, putain, c'est pas passé loin. Ok, je te répare aussi. Bienvenue parmi nous. Je peux pas tomber dans le trou? Ça m'arrangerait grave. Ah bah c'est bon, j'ai tout. Combinaison endommagée. Scan de la cible, matériel Typhoon, non concluant. Enregistrement de la demande de calibrage. Bah viens des. Polluant. Je fais ça pour éviter qu'ils aient des planques en fait. Allez viens. Oh me dis pas que t'es bêtement coincé. Qu'est-ce que tu fous là toi? Alors j'ai peur parce que les risques de m'attaquer en fait, être en mesure d'y arriver si vous voyez ce que je veux dire. Oh si, je sais ce que je vais faire.
Bon, oh, apparemment, ils veulent pas. Hein. J'ai essayé. Objectif multiple. Ah bon. Et objectif multiple. Bon bah objectif multiple alors. Hein. Ok, bon bah écoutez, j'ai essayé, hein, j'aurais essayé. J'en ai 52 quoi. J'en ai combien? Ah, 399, oui, c'est normal. Hop, 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 hop. Tout l'alcool, il y va. Recycle-moi tout ça. Oh là là. Ça pue un poil du cul toute cette histoire. Ah ok. Tu es en train de me dire qu'il m'a piégé absolument tout. Il m'a piégé absolument toute la station, ce con. Ce connard de cuistot. Parce que si c'est le cas, voilà quoi, c'est un poil dégueulasse. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Alors, je vais aller me faire du mal. Je vais aller voir dans les objectifs. Oui, ça, ça m'emmerde. Ça, ça m'emmerde parce que ça semble pas avoir évolué. C'est... J'ai l'impression de faire tout le jeu pour rien. Hop. Je l'avais rect ici le tisseur, on est d'accord. Opérateur à l'approche. Ok, bon on y va. On ne s'arrête même plus. Ouais, non, j'allais dire je rêve ou la porte vient de se fermer sur ma gueule. Bonjour. Ah, moi je suis déjà allé. J'y ai déjà été. Psychotronique. Tu t'ouvres ? Pardon. Évite de se bouffer les débris. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, des tonnes et des tonnes de débris. Why not? Aïe. Combinaison endommagée. Aïe, alors là, j'ai pris cher. Je pensais que ça passerait. C'est pas passé. C'est pas grave. Voilà. Et on va se manger quelques petits gâteaux pour la forme. Ok, bon. Ah merde, il y a peut-être un ingénieur en fait ici qui aurait pu me réparer tout ça sans le moindre problème. Bonjour monsieur. Ok. Donc, apparemment je suis juste... Gravité normale détectée. Oh putain. Je crois que je sais ce que je viens de faire. Vous avez bien compris dans mon ton que ce que je viens de faire c'est de la merde. Bon, bah c'est pas grave, on est de repartir de là où on vient. Ah. Parce qu'en fait il faut réparation 3 pour faire ce truc. Voilà pour l'info. J'y suis allé quand j'ai refait toute la mission du coup, toutes les missions que j'avais loupées. Alors j'essaie de descendre mais j'arrive pas. Ah c'est C, d'accord, okay. C'est marqué dessus.
Te cogne pas. Combinaison endommagée. Oh putain. Ah la vache. Je me suis cogné le haut du crâne. On va en remettre, c'est pas grave. On a ce qu'il faut, on a la quantité. On peut se permettre. J'ai eu peur d'être assassiné par Voilà. Allez, comme on dit, salut. Cru que j'allais me cogner dur. Il y a des radiations là. Wow. Ok, le rail m'a foutu vachement les boules. Vous avez vu? Radiation, on se dépêche. C'est bon. Wow, je vais crever. Merde, c'est pas le bon truc, c'est celui-là. Il y a un technopathe ici. Nouvelle attitude. Les technopathes, je peux vous dire que c'est de la saloperie. Au passage. T'es pas sérieux quand tu fais ça? J'avais demandé de me réparer. Je doute qu'il ait accepté. C'est un tisseur. Je sais pas si je l'ai suffisamment analysé. Pas encore. Ondes 0 et ondes de psy. Oui, tu m'étonnes qu'il aime pas les ondes 0. Nouvelle aptitude psy. Tu m'étonnes qu'il aime pas les ondes 0. J'en ai plein. Je me permets de gaspiller, j'en ai plein. Ok. Je vais quand même suivre le conduit. Ça m'intrigue. Des fois que ça nous emmène quelque part. Je veux dire autre part que ce que je pensais que ça allait m'emmener. De là où je pensais que ça allait s'emmener en fait. Ok.
que là où je pensais que ça allait m'emmener. Je vais arriver à le dire. Hop, je sais pas si c'est correct, mais... Hop, les... Dysfonctionnement des portes de transfert de fret. Réactivation nécessaire. Fret en attente. Réactivation nécessaire. J'accepte. Par contre, ça me dit toujours pas dans quelle direction je suis censé aller. Alors, question, si je fais OK. Utilitaire. Activer le système de dégélation des tags. Hop. Activation dans la requise dans la zone de fret. Quoi ? Activer le système de gestion des cargaisons. Attendez. Objectif. Zone de fret. Je suis où, moi ? Là. Donc, faut que j'aille dans la zone de fret. Ah, je peux pas y aller ? Ah, ça m'ouvrira pas cette porte. C'est ça que t'es en train de me dire. Si, c'est là. Hop, confirmé. On est bon. On a déjà 37 minutes de vidéo. Je vais quand même essayer de faire la mission en moins de 8 minutes là. On va voir si je peux y arriver à temps. Ça serait génial. Microgravité détectée. Allez, ouvre. Et je sais pas où c'est. Activer le système de gestion 10 mètres. C'est juste ça? Merde. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est là? Bah merde, je suis coincé dans la zone, c'est débile. C'est à moitié débile, je suis complètement coincé. Ah, ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a 7 minutes en fait, faut que je refasse tout le tour. Ah non, c'est bon. Tout bêtement. Allez. Zone de fret gestion, c'est bon, c'est tout. Ok, c'était tout. Bonjour. Wouh. Le monsieur est attaqué. J'avais oublié le truc au sol. Le monsieur était au taquet. Ce qui veut dire... Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Objectif, si c'était ça, merde. Ouvrez la porte du chargement, voir sur la carte. Faut que je ressorte, non, c'est ça? J'ai pas vu finalement. Parce que la carte grand le Talos. Non, c'est pas ça. Objectif. Oui, là c'est ça, donc faut que je rouvre la porte en ressortant du même endroit. Enfin, en revenant de là où je viens, en fait. Donc je passe là. Je crois qu'il y avait une petite entrée genre là, voilà.
J'avais même pas vu qu'il y avait ça juste là. Hop. Ah, j'aurais presque dû l'utiliser en plus. Ok, cool. Bon bah, hé. On s'en sort pas si mal finalement. On s'en sort vraiment pas si mal. Je m'attendais à ce que la mission dure plus longtemps. Que ce soit plus complexe. Vous savez, qu'il y ait plus de... Mais finalement, j'ai couru dessus, ça suffit. Hein. Microgravité détectée. Ouvrez la porte de chargement. Voilà, c'est à 27 mètres, c'est bien ce que je pensais. Et donc je pense en fait que ça va ouvrir cette porte là. Ah non, c'est... si c'est ça, ça va ouvrir ces portes là. Selon moi, hein. Hop. En douceur, hein, ça sert à rien de nous. Oups, pardon. Hop. Ouvre la porte. Et maintenant. C'est bon. Donc j'ai ouvert cette porte là. Ce qui m'apporte du porte à porte. J'ai l'impression d'avoir fait ça pour 3 objets au total. Et ça me pète bien les couilles. Je me suis fait entuber. Aïe, et je rebondis de partout. Je peux pas verrouiller. Ah, je peux verrouiller. Oui, je peux la verrouiller. Faire l'inverse. Merde. Si tant est que j'y arrive. J'ai eu l'impression l'espace d'un temps que j'avais 100 secondes. C'est... voilà. Ça verrouille pas. Je suis vexé. Là j'avoue, je suis vexé. Donc ça m'a ouvert cette porte là, c'est ça hein, c'est... Et donc ensuite, genre là-dedans il y a quelque chose. Balle de 9 mm, surtout le fusil, oui, enfin. Ouais. Ah, attendez. Merde. Merde. Hop, c'est bon. Ok, vas-y, on tente. W. C'est bon, digicode, ouvre-toi. Tu te trouverais pas un peu de... Ah, trois kits de secours. Ah, trois kits de secours. Quand même. Enfin bon, en termes général... Ah, attendez, il y en a encore un en bas. Attendez, parce que là, si encore. Ah bah non, c'est celui que j'ai déjà fait, non, ça? Oui, c'est celui-là, j'ai déjà fait. Celui que je crois qu'il y avait quelque chose derrière, mais en fait, non. Ouais, c'est une grosse zone. Pour pas grand-chose, finalement. Hein. Je vais même essayer de me rapprocher des portes, sait-on jamais, des fois que ça s'ouvre, ou je sais pas. Apparemment, non. Arrête de me murmurer dans les oreilles. Oh, c'est pas bon signe. Ça, c'est pas bon signe. Bon, on y va. Hop. Et nous, on se laisse lâcher. Ah bah, non, ça a pas ouvert. Attendez. D'ailleurs, moyen d'ouvrir les portes là, ici. C'est pas possible. Ah bah, attendez. Non, j'ai mieux que ça encore. Regardez. J'ai encore mieux que ça. Voilà. Eh ouais. On fait comme ça chez moi. J'y avais pas pensé. C'est tout con mais. Je trouve que c'est même que comme ça qu'on peut les prendre.
Enfin bon. Hop, on se laisse là pour cet épisode, les amis. Merci de l'avoir en tout cas, c'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!